Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de... Ah, ouf, ça chauffe. Subnautica. Donc on était dans les nouvelles salles de l'Aurora. Donc on se déplace sans pitié. Du coup, lui on va le mettre en 5. Voilà, cutter laser. Et c'est parti. On découpe, il y en a pour un moment, donc prenez, mettez-vous à l'aise. Une petite boisson. Moi perso, je suis au café. Et là, je tourne le dernier épisode de la session parce que je suis crevé et qu'après, je vais aller me coucher. Voilà. Au moins, ça, c'est dit. Vache. C'est des portes en plastacier ou quoi? Waouh! Oh là là, toi je t'aime pas du tout, toi. Je t'ai vu. Hop là, on va se remettre ça en 5. On va faire pim. On va faire 3. Pim, pim, pim. Voilà. N'essaye même pas de me manger. Même pas, t'essayes. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un peu d'air pour respirer, ça c'est pas mal. Il semblerait qu'on ait des armoires, mais on ne peut pas les... Ok, un banc, c'est sympa. Ça devait être une salle de sport. Ah, un PDA. Nouvelle donnée. Analyse structurelle. Mission de recherche et secours Altera. Non, c'était pas ça. Ouais, ça c'est mal branlé leur truc. La couche extérieure des matériaux ont oxydé. L'action semble cohérente avec la désintégration de la coque. Lors de l'entrée dans l'atmosphère, les couches inférieures contiennent suffisamment de titane résiduel pour être récupérées par le fabricant. Ok. Forme de physiologie technique peut-être. Non. Putain, j'ai pas vu. Bon bah je regarderai, je noterai ça au montage et je regarderai, je vérifierai plus tard ce que c'était. J'espère que c'est pas important tout de suite. Ça m'apprendra à toujours vouloir faire les choses archi vite. De temps en temps, il faut savoir prendre son temps. Ok, par là, qu'est-ce qu'on a? On a rien du tout. Ici, il y a un kit de soins. Hop, ici, il y a encore une pile. Ok. Par ici, il y a une porte, est-ce qu'elle s'ouvre? Apparemment pas. Ok, de l'eau. Ok. Encore une... Ah! Est-ce ouvert ce truc? Pourquoi à chaque fois tu le refermes? Je comprends pas. Béa prône, ok, c'est ce qu'on cherchait. Par contre, non, ça s'ouvre pas. Voilà, c'est comme ça. Cherche pas, Benoît. Ça s'ouvre pas. N'essaye pas. Tu vas y perdre du temps pour rien. Et ça fonctionnera jamais, puisque c'est pas prévu pour. Ok. Donc là, on va voir si on peut réparer cette merde sans éteindre ce feu. Tout doudoum, soudeuse. Ouais, c'est bon, on peut ouvrir. On peut réparer sans se cramer. Ok. Donc ça, c'est réparé. Hop là. Hop là. Ok, alors je crois qu'on est là où ça devient intéressant.
batterie haute capacité. On va s'hydrater un coup. Voilà. Et on est là où on voulait aller. La baie aux exosuites. Ok, donc par là, ça va être compromis. Par là. Par là, il y a quoi? Oh, il y a beaucoup de merdier là. Déjà à sec ce truc. Heureusement qu'on a apporté des piles. Hein. Ok, non, il est coincé. Ah mais alors. C'est quoi cette galère là? Ouais, sinon on peut pas le déplacer. Ok. Ok. Faut expliquer le truc. Voilà. On a dégagé le passage. Par ici, il n'y a rien. Si. Oh, encore une batterie. La vache. On risque d'en avoir seulement besoin, du coup. Ah. Je peux canner un truc là. Fragment d'exosquelette. Oh. Ah oui, dis donc. Ouais. Il était juste là. Waouh, trop cool. Technique combinaison prone. Combinaison prone. D'accord, MK3. Théorie avancée. Voilà. Comportement et physiologie de rôdeur. Composition des autres dents de forme de vie locale suit un processus biologique semblable par lequel la structure calcifiée se développe dans la gencive. Les dents de rôdeur sont uniques car présentement une légèreté. Ok. Ok. Ok, d'accord. Non, si on peut pas. Ok, ici. Ici, il devait y avoir quantité de choses à scanner et compagnie, mais... On peut pas ramasser la bouteille? Non. Les chaises? Non. Ça, on en a un. Je l'ai déjà scanné, ce truc-là, donc... Donc ça, c'est bon. Ça doit être la réserve, mais apparemment, on n'y a pas accès. Ça, c'est un extincteur, on va le prendre. Et je me retrouve encore en inventaire plein. Ah, mais alors là... Ça devient fou, ça! Ça devient fou, ça! Du coup, bah, on va manger ça, on va boire ça, et on va utiliser... Oh, bah oui, tiens, dites donc. Ça fait du bien. Je l'ai pas vu, mais... Mais ça fait du bien. Ok. Ok, on fait de la place. PDA abandonné. Ok. Entrée encyclopédie débloquée, données téléchargées, surveillance log, Forward Valley. Oula, les appareils digestifs, défense de vie. Orc. L'intégrité structurelle du vaisseau est faible, l'exploration n'est pas conseillée. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est les photos. Merde, je m'en rappelle plus. Non, ça c'est les trucs des survivants du Degassi. Lock forward. Négociant, ça s'appelle négocier. Alors, je vous laisse lire. Il
Voilà, je remonte jusqu'en haut, je vais faire défiler et mettez pause pour lire si vous voulez lire. Et sinon, voilà. Ok. Ok, du coup, on continue. Oh. Il y a un truc à escalader là. Étagère murale. Ah bah écoute, ouais, je veux, ouais. Carrément, complètement même. Étagère murale. Ça, c'est cool. On va pouvoir mettre des étagères murales. Cool. Ça, on l'a déjà. Les tableaux de bar, on les a déjà. Tout ça, on l'a déjà. Ok, ça c'est quoi? Ah, c'était là qu'il y avait l'extincteur. Ok, ça on peut pas l'ouvrir. Ok, on va sortir d'ici. Cette celle-ci est faite. Donc là-dedans, on a, oh la vache, de l'eau à gogo. Par contre, notre inventaire est déjà grandement full, donc on va pas en prendre. Voilà, parce qu'on récupère encore de l'eau qui nous bouffe de la place d'inventaire. Et ça, c'est relativement chiant. Lui, il est plein à 96%. C'est quoi ça? Bloc de nutriments. Ok, bloc de nutriments. On va consommer, on consomme. Voilà, hop, ça fera de la place. Donc là, c'était vraiment full en stuff. Hein. De l'eau, de l'eau. De l'eau. Ah, un truc à scanner. Un lit étroit. T'es sérieux là? T'es en train de me scanner un lit étroit? À travers la paroi? Waouh. Ok. Lit étroit déverrouillé. Lit étroit. Alors c'est classé comment ça? C'est par ordre alphabétique. Lit étroit, lit étroit. Bureau. Ça c'est prune suit. Suit jump jet upgrade. Lit étroit. D'accord. Étagère murale. Ouais, c'est cool, on a trouvé des trucs. Ok, là il y a encore de la flotte, rien d'autre à scanner. Hop. Ouais, faut vraiment bien faire gaffe ici en fait. Donc du coup là, ça c'était fait. Du coup ici, on peut pas y entrer. Là ici, on peut pas y entrer. Ok, ça on va le remballer pour le moment. Le bureau normalement j'en ai déjà scanné un, donc il va me dire que voilà, numérisation impossible. Ok, donc ça c'est les fameux lits étroits. Ok, PDA abandonné. Donnée relationship contract legal recording. Relationship. Contrat légal recording. Jusqu'à zéro, tu me largues. Je change les. Oh là, c'est quoi ça? Écoute, je sais que je ne suis pas en droit de te faire de telles demandes. Alors, je vous laisse lire.
Ok. Fini de lire. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Délit, 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 hop. Un poster, hop. Ça décorera dans la base. Ça fera chouette. Ça sera sympa. Ok, un kit de soins. Ok, ça c'est fait. De l'eau, un PDA, une pile. Ouais, je vais peut-être commencer à plus tout ramasser en fait. Faudra que je revienne pour une deuxième exploration, je crois, parce que là, je suis trop full et il y a trop de trucs à prendre. Il y a trop de trucs à prendre. C'est juste de la folie. Là, il y a des sacs, des piles. Alors ça, c'est de la déco, hein. Les sacs comme ça, c'est juste pour la déco, hein, mais c'est sympa d'en avoir. Moi, j'aime bien. J'en fous dans tout, comme ça, j'en foutrais dans toutes mes bases et tout. Ça sera fun. Ici, ici. Ah merde, j'ai pas ramassé le PDA, je crois. Ah si, si, non. PDA abandonné. Ok. Transgov Profile Altera Corp. Ok, elles sont. Donc je vous laisse lire, pareil, hein, vous mettez pause. Hop, hop, voilà. Oh, c'est fait. Du coup, la pile, la bouteille, on va la laisser. Les sacs, on va les laisser. Dans cette piole-ci, on avait tout ramassé aussi. Il n'y avait plus rien. L'armoire, elle s'ouvre pas, donc c'est bon. Ok, ici il y avait encore une porte ouverte avec voilà des soins, de l'eau, piles. Ah, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Hein, ok, encore de l'eau, on va la laisser. Ouh, un poster. Natural Selection 2. Waouh, ça devait être un film. Sans sas. Ouais, du coup là je suis full. Je suis full de chez full. Je suis dans la merde. Du coup on va faire ça et on va faire ça. Et ça je peux pas. Ok, donc on a libéré deux places d'inventaire. Donc il va vraiment falloir que je revienne ici. Quoique apparemment, là ça y est, c'est fini. C'est tout ce qu'il y avait. Non, j'ai pas visité toutes les salles. Bloc de nutriments. Ok, là il y a un code. Il y a un truc à scanner. Étagère murale. D'accord. Alors, on va ranger ça. On va déjà faire celle-ci. Hop. Un Gundam. Ok, des sacs, des sacs. Oh putain, il y en a plein de ça. La vache. Puis bon, ça prend quand même pas mal de place dans l'inventaire, donc c'est pour ça aussi que je les laisse. Hein. Donc du coup, on avait trouvé un truc avec des codes tout à l'heure. Code. Essential Lifesync 1806. Ok, on va essayer ça. Donc, 18. Il n'y a pas de zéro. Donc ça doit pas être ça. Ok, on va essayer 21-11 alors. D'ailleurs, c'est un truc à combien de chiffres? 4 aussi. Ok. Non, c'est pas ça. Analyse structurelle, user. Ok, hibernation mode. Non. Peut-être dans le journal des opéras. Non. Ok. Donc ça sera plutôt ça. Code. 1454. Mais ça m'étonnerait. On l'a utilisé tout à l'heure déjà celui-là. Ok. Donc on n'a pas ce code. C'est bizarre, il n'y a pas de zéro. Lots. Ok. Ok. Et ici il y a un code aussi.
Ok, on n'a pas les codes. Non, ça c'est la soudeuse. C'est le cutter que je veux. Non, apparemment on peut pas les couper. Ok, donc il doit y avoir un truc quelque part qui va nous donner les codes. Parce que là, là dans les logs, j'ai pas l'air de les avoir. Hein. Code essentiel life sim. Document public. Non, c'est pas là-dedans. Journaux d'opération. Analyse structurelle. Aurora Engine User Log. Relationship. Donc là, elle se fait larguer. Surveillance log forward. Oui, il se fait larguer d'ailleurs. Peu importe. Planifier une cour de négociation à l'école. 3000 crédits. Mots-clés suspects. Débridé. Détecté. Démarrage de l'enregistrement. T'as récupéré ça lorsque... Mongol. On a eu pour combien 3000 crédits avec les extras, chuchote et une licence d'exploitation contrefaite. J'arrive pas à croire qu'il n'y a plus. Ok, ça peut être négocier. Les bêtises transformées les chiens des voisins en bus, ce genre de choses. Ok, non, bah il n'y a pas de code là-dedans. Donc on n'a pas les codes. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux ça. C'est très embêtant. Et on est fou de chez fou. Hein. Et en plus l'épisode va bientôt toucher à sa fin. Du coup, par ici on y avait été, on avait fait ça. Par ici on l'avait fait aussi. On a peut-être raté quelque chose, remarquez, hein. On va essayer peut-être d'étendre les feux partout comme ça, voilà, hop. Hop, 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 hop. Il y a peut-être un PDA dans le feu qu'on aurait raté ou je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Là. Là, je ne saurais point vous dire, chers amis. Non mais, oh, on t'a éteint, toi. Tu te relances pas comme ça, style... tu renais de tes cendres et tout, t'es pas un phénix. T'as compris? Non mais alors... Du coup, on va redescendre, on va essayer d'aller scanner le reste de ces choses. Et puis on va voir s'il n'y a pas moyen de trouver un log ou quelque chose comme ça. Donc ici, il y a tout un tas de trucs à scanner. Fragments d'exosquelette, ok. C'est fait. Il y en a un autre par ici, fragments d'exosquelette. 2 sur 4. 3 sur 4. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, inventaire plein, encore. Du coup, on va boire. On va manger. Par ici il n'y a plus l'air d'y avoir des morceaux. Il y en a encore un là. Alors je peux pas le scanner? Non, non, parce qu'on était à 3 sur 4 donc oh, ça passe encore par ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh là là, mais c'est juste immense. Ok, celle-ci a été vide. Oh là là.
mais c'est immense. Ah non, mais c'est de là qu'on venait, non? Ou pas? Ou pas, d'ailleurs. Si, c'est de là qu'on venait, ok. Ok, donc ici... Ici, ici. Ok, tout ça, c'est bien pété, hein. Oh la vache. Il redécollera pas, hein. Oh, enfin, je dis ça, mais... Non, mais il redécollera pas, le truc, ça, c'est sûr. Faut pas le scanner, lui. Non? Mais du coup, il va me manquer un fragment, c'est quoi, cette bouse, là? On m'aurait menti? Oh, je suis où, là? Ok. Ok. Tic, 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 tic. Essayez de voir celle-ci. Ah! Ok. Exosquelette déverrouillé. Donc, on pourra très bientôt se fabriquer notre exosquelette. Ici, il n'y aurait pas genre un chemin où ça fait un peu labyrinthe quand même. Genre, je sais pas, pour accéder ailleurs, dans d'autres endroits du navire. Ok, non, par ici y a rien, ça c'est un extincteur. Oh, on n'a pas vraiment besoin. Ok. Non, bah non, ça a l'air... voilà quoi. Sans plus. Sans plus, tiens, c'est quoi ça? Ouais, c'est juste du blanc. C'est cool. C'est cool, si on va là-dessus, on va s'électrocuter. Donc on va essayer d'éviter. Par ici... Ici, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, je pensais qu'on pourrait... peut-être... Ah, peut-être. Par ici, non. Non. Non, bah non. Et lui, il continue à me sortir de l'eau alors que j'en ai absolument pas besoin. Mais arrête! Arrête, j'ai besoin de place dans mon inventaire, arrête! Ok, donc ça, c'est juste... Ah bah si. Si, 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 apparemment ça nous donne accès à une autre partie encore. Oh là là. Donc, eh bien, on va mettre fin à l'épisode ici. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Je vais faire une petite sauvegarde en speed. Voilà, sauvegarder. Au cas où il nous arrive une tuile. J'ai encore dépassé de plus de 5 minutes. Donc, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.